Un petit matin frisqué de février, quelque part dans la campagne comtoise. Une ferme, une prairie, une mare et des animaux. Cette image familière, ce monde des merveilles pour petits-enfants des villes, cache un véritable théâtre miniature du monde animal. Les canards, les poules et les oies de la basse-cour obéissent encore largement aux instincts qu'ils ont hérités de leurs ancêtres sauvages. Difficile d'imaginer la basse-cour comme une jungle ou une brousse. Pourtant, les hommes ont peu à peu organisé la vie de certaines espèces en fonction de leurs propres besoins en nourriture. Mais cela ne remonte qu'à quelques siècles. Autrement dit, presque rien à l'échelle de l'histoire naturelle. Comme leurs cousins qui vivent aujourd'hui à l'état sauvage dans d'autres contrées, les animaux dits domestiques se reproduisent, défendent leur territoire et élèvent leurs petits. Les ancêtres de notre lapin gambadaient en liberté, dans des garennes surveillées, certes, mais qui n'avaient rien à voir avec les clapiers modernes. Il y a à peine 150 ans que les cages à lapins ont résolu leur crise du logement, avant de devenir célèbres dans le domaine architectural. Le dindon, ramené d'Amérique du Sud par les conquérants espagnols du XVIe siècle, était un mets de choix pour les gourmets de la Renaissance. Mais ce matin, c'est avec moins de raffinement que deux mâles manifestent leur rivalité. Le combat s'est terminé par la mort d'un des adversaires. Dans le petit monde de la basse-cour, l'autorité des oies s'applique même au mystère de la mort qui frappe les autres animaux.
Imagine-t-on une basse-cour sans coq, poule et poulet ? Comme leurs cousines sauvages des forêts indiennes, les poules parcourent la prairie en quête de vers de terre et d'insectes. Elles y ajoutent des petits cailloux qui aideront leur puissant gésier à broyer la nourriture. Les canards de Barbarie, eux aussi, apprécient l'herbe des prairies et les délicieux encas sauvages qui filtrent du bec. La hiérarchie entre dominant et dominé organise la société animale. Quand il s'agit d'être le chef du groupe, le destin des dindons est tout tracé. Se battre ou se soumettre, vaincre ou fuir. Au gloussement menaçant s'ajoutent les signes de colère. Sous la tête du dindon, les excroissances de chair rouge, appelées caroncules, se gonflent dès que le mâle s'apprête à la bataille. La tête pelée du dindon est dure comme un casque qui le protège des coups de bec du rival. C'est l'endurance et l'acharnement qui font la différence. Les oies et les jars sont les seigneurs redoutés de ce royaume miniature. À l'état sauvage, le jar vit en couple. La vie domestique l'a fait passer à la polygamie. Ses amours sont toujours aquatiques. C'est au bord d'un plan d'eau qu'il montre son point commun avec les canards. C'est un des rares oiseaux dotés d'un pénis. L'hiver est enfin fini. Dans toute la basse-cour, le printemps est signe d'herbes tendres et d'humeur amoureuse. C'est la lapine qui donne le signal. Quand le mâle reprend son rôle, il tape du pied, mais pas par impatience. C'est un très ancien signal d'alarme du temps des terriers.
Privé de son abri improvisé, Lorvay choisit d'abord une discrète immobilité qui ne suffit pourtant pas à tromper la vue perçante des poules. Deuxième astuce, il échappe à ses attaquants en se séparant de sa queue grâce à une fort commode vertèbre pré-tranchée. Voilà qui est mérité le surnom de serpent de verre. Tandis qu'un couple de pigeons se manifeste sa fidélité, le canard lui aussi passé à la polygamie s'accommode péniblement de la terre ferme pour ses amours compliqués. C'est dans l'eau qu'il est le plus à l'aise, du moins en principe. Au poulailler règne la plus stricte hiérarchie. Toute nouvelle arrivante doit étudier son installation avec la plus grande prudence. Dans les confortables niches où le fermier a placé de faux œufs en pierre pour attirer ses pensionnaires, les poules vont couver une dizaine d'œufs. Elle les retourne régulièrement. La manœuvre a pour but d'empêcher les jaunes de coller à la coquille. Les jaunes, ce sont les embryons des futurs poussins. Les poules pondent en moyenne plus d'une centaine d'œufs par an, d'autant plus si elles améliorent leur ordinaire avec les produits de leur chasse. La poule couveuse sait d'instinct que les œufs ne doivent pas refroidir pour que l'embryon devienne poussin à l'issue des 3 semaines de couvaison. Elle déteste être dérangée. Pendant que les couveuses montent la garde, le coq visite ponctuellement ses 3 ou 4 autres femelles. Il transmettra aux poulettes de sa descendance les qualités de sa propre mère. L'oie de Guinée, dont l'élégance évoque le cygne, est la descendante des oies sauvages d'Afrique que l'homme a appris à domestiquer.
peu exigeante sur le logement, elle prend soin, elle aussi, de retourner ses œufs. Elle va couver pendant un mois. Notre coq gaulois doit sa fière allure à son ancêtre asiatique, le coq sauvage de Bankiva. Il y a plus de 5000 ans que les hommes apprécient son chant puissant et son plumage chatoyant. Pour séduire sa partenaire, il lui offre une petite démonstration de danse. Mais le coq dominant supporte mal les amours des autres. Toute victoire est relative. Loi ne perd jamais une occasion de rappeler que c'est elle qui commande. Ce n'est pas parce qu'on couve qu'on a la paix. Une oie grise vient revendiquer sans ménagement le nid douillet de l'oie de Guinée. Le jar de Guinée signale en soufflant avec colère qu'il vient prendre sa part de la couvaison. Le nid, patiemment aménagé à l'abri des intempéries, est soumis à forte concurrence. Une dinde insolente n'hésite pas à jouer les coucous. Décidément, rude journée pour les oies de Guinée. Thank you.
Alors que les dindes savent se contenter de quelques brindilles dans les buissons, les pigeons, pourtant plus sauvages, apprécient le confort du pigeonnier. Ces locataires très possessifs supportent mal d'être envahis par des fâcheuses. Le pigeon est frappé de stupeur à voir tant d'audace chez une poulette, sans compter qu'un nouvel intrus se présente. Si l'intimidation ne suffit pas, le score des coups de bec reçus et donnés décide provisoirement d'un ordre hiérarchique qui rétablit le propriétaire dans ses droits. Un mois a passé, les averses de printemps se font rares. Tout est calme dans le poulailler où une oie s'est réfugiée, ses oisons vont naître. Leur maigre plumage doit d'abord sécher avant de s'enduire de gras au contact des sécrétions graisseuses produites par la mer. C'est le secret d'une bonne imperméabilité à l'eau qui permettra aux oiseaux de suivre leur mère sur la mare. Voilà ce qui arrive quand on couve à l'écart.
La renarde n'a pas hésité à visiter le poulailler en plein jour. Elle aussi a des petits à nourrir. Les oiseaux grandissent très vite. Au bout d'une semaine, ils peuvent courir sur l'herbe et s'essayer à d'autres nourritures que la pâtée préparée par le fermier. Les rayons du soleil printanier font le bonheur des pintades. De leur origine africaine, elles ont gardé le besoin de chaleur. Créatives et sauvages, elles se perchent la nuit dans les arbres pour s'abriter des prédateurs. Le jour, elles vivent en groupe sans trop se mêler aux autres animaux. La dinde est une couveuse si dévouée qu'elle peut en oublier de manger et de boire. Elle veille jalousement sur sa progéniture. Les dindonneaux sont malhabiles et craintifs. Ils n'ont pas appris à chercher leur salut dans la fuite. Et ils sont sûrs de pouvoir compter sur le tempérament irritable de leur mère pour écarter les importes. Dans le nid de paille et de poils que la lapine a confectionné, les lapereaux naissent tout nus, les paupières soudées, sans défense. Leur mère les allaitera et veillera sur eux pendant près de 5 semaines. Avec le retour du printemps, la bergeronnette qui a élu domicile sous le toit est, elle aussi, devenue chargée de famille. Après plus d'un mois de couvaison, c'est au tour des canetons de Barbarie de sortir de l'œuf. Comme les autres oiseaux, ils passent leur première semaine près de leur mère, dans un calme parfois relatif. Ha ha ha!
L'été s'installe. Il est temps pour les oiseaux et les canetons d'aborder leur carrière de nageur. Sur l'eau comme à terre, c'est Loi le chef et elle tient à le rappeler. Cette fois, c'est la canne qu'il va falloir mettre au pas. Quand on est un petit canard et qu'on imite bien ses parents, on apprend vite à plonger, à nager, à se sécher et à imperméabiliser soi-même ses plumes. Les canetons disposent désormais de leur propre réserve à graisse. Le couple des pigeons s'est relayé pour couver. Il lui arrive pourtant d'abandonner le nid. Les pigeonneaux se retrouvent privés de lait de pigeon, cette sorte de gelée royale que les parents régurgitent du jabot et sans laquelle ils ne peuvent survivre. Les poules couveuses ont patienté 3 semaines avant d'entendre le premier craquement. Le poussin attaque sa coquille par des poussées en arrière de la tête et du bec. Le premier trou percé par le poussin s'appelle le pimping. Il lui donne accès à la poche d'air de l'œuf, où il peut remplir ses petits poumons pour pépier énergiquement. Le poussin découpe peu à peu un capuchon pour ensuite briser complètement sa coquille. Une demi-journée à peine suffira aux poussins pour être fin prêts à explorer la prairie dès qu'ils auront séché leur duvet à la chaleur du plumage maternel.
Chez les canetons, la curiosité l'emporte parfois sur la prudence. Ils ignorent encore que le jar veille à ses prérogatives et qu'on risque gros à le défier. À peine les œufs sont-ils éclos qu'une nouvelle rivalité se déclare. Pour fabriquer un œuf, il faut beaucoup de calcium. Chaque poule produit en une année plus d'un kilo de coquilles. Et les coquilles, c'est du calcium. Alors rien ne se perd, tout se recycle et la concurrence fait rage. Un dangereux prédateur, ce hérisson? Pas vraiment, mais en tout cas, un grand amateur de frais. Trop tard, les dindes l'ont vu. Se mettre en boule ne suffit pas à calmer ces dames. Il va falloir affronter un élément nettement moins familier. Les petits lapins grandissent. Dans quelques mois, ils contribueront à leur tour à la crise du logement. Thank you.
Le soleil de juillet et l'herbe de la prairie incitent à l'aventure. Mais le monde est bien trop vaste pour un si petit poussin. Le dindonneau, lui aussi, se sent d'humeur aventureuse. Il a beau se prendre pour un canard, sa mère, elle, sait que son plumage n'est pas imperméable à l'eau. Mais elle n'a pas oublié qu'elle est un gros oiseau et qu'elle sait très bien voler, surtout quand ses petits sont en danger. Quelques semaines à peine après la fin de la couvaison, les dindons sont à nouveau prêts à s'accoupler. Quand revient la période des amours, le plumage du dindon se fait brillant, chatoyant et bariolé. La queue en éventail, les plumes gonflées et l'allure majestueuse, le prétendant se propose. Mais ce n'est pas au plus beau que la femelle accorde ses faveurs, c'est au plus fort. Il fait désormais très chaud, trop chaud. Les poules se retrouvent au coin poudrier. Rien ne vaut un bon bain de poussière pour chasser les parasites et se débarrasser de la graisse accumulée sur les plumes. Tous les animaux cherchent l'ombre. La chaleur accablante incite à la sieste. À la sieste ou au bain. Pour leur toilette, les canards préfèrent l'eau. L'entretien du plumage est l'occasion de jeux aquatiques débridés pour les petits comme pour les adultes.
La chaleur a eu raison des meilleures énergies. Dans le poulailler, la torpeur gagne. Les poules suffoquent. Faute de glandes sudoripares pour évacuer l'eau, elles écartent les plumes, ouvrent grand le bec et respirent à rythme accéléré. L'orage apporte avec lui une fraîcheur bienvenue et de délicieuses surprises. Les animaux de la basse-cour reprennent leur chasse, leur jeu et leur bagarre. Au contact parfois brutal des adultes, les jeunes apprennent peu à peu les lois de leur petit royaume. Caneton et Oison auront bientôt l'âge des amours et ils en connaîtront les jeux et les rivalités. Les poussins apprendront à reconnaître les friandises qui composeront leur menu sauvage. Mais avant tout, les jeunes devront se faire une place dans le groupe et la défendre. Comme leurs parents avant eux, ils s'intégreront à la hiérarchie qui régit la basse-cour. Et de saison en saison, ils seront guidés par les instincts du monde sauvage dont ils sont les descendants, sous le contrôle de l'homme.